Billy et le derby Tegent, pardon, ça vient de se terminer il y a à peine une petite demi-heure. Et le derby Tegent a pratiquement mené les commandes tout au long de la rencontre avec un but qui va être marqué. Bien sûr, le match a commencé avec une petite pluie et la JSK se devait de confirmer son succès glané à Constantine et face à un derby Tegent qui avait... Elle a concédé les 3 points de la défaite face au Mouloudia d'Alger. C'était très serré et la réaction du DRBT, eh bien, s'est faite remarquer grâce à un but de Chibène. Mais ça va venir à la 40e minute, hein, il y a eu plusieurs essais. La JSK a beau dominer ce Tegent, eh bien Chibène, finalement Chibène Youssef réussit à marquer dans le dos des défenseurs et un très très beau but qui eh bien, permet à Tegent de mener à la marque. C'est un joueur à suivre de près, hein, Chibène Youssef, qui reçoit un bon ballon de Siammar. Et là, c'était en première mi-temps. Deuxième mi-temps, eh bien, la JSK Billy, au stade de 1er novembre, c'est pas vraiment ça. Hein, ça a tendance à ne pas bien marcher. Et le pénalty, voilà, concédé après une faute de main, est raté par Riel. Et plutôt le gardien de Tegent, Litim, qui fait un excellent arrêt. Et eh bien, la fin de rencontre, les dernières minutes, eh bien, se rend fatale à cette équipe de Tegent qui eh bien, a réussi à repousser l'échéance eh bien, jusqu'à la 93e minute de jeu où, eh bien, suite à ce ballon, eh bien, Mebarki ne trouve aucune peine à mettre une tête piquée pour tromper le gardien Litim et remettre les pendules à l'heure. Mais c'était vraiment à l'arraché. Et encore une fois, Samir, la JSK...